Je vais lui dire. Je vais lui dire que je partage mon intimité avec plusieurs femmes. Je me demande quelle va être sa réaction. Cas numéro 1. Elle est choquée, elle me regarde comme un extraterrestre, avec dégoût presque. T'as plusieurs relations. Comment ça? Tu baises à droite à gauche, t'en as une tous les week-ends, tu changes la semaine. T'as peur de t'engager en fait. De t'engager dans une relation exclusive avec juste une. Au contraire, moi je peux être engagé sur plusieurs relations, comme plusieurs relations d'amitié qui durent et qui n'ont pas besoin de s'arrêter parce qu'à un moment donné, soi-disant, on flirte ou on a un désir et là au contraire, on peut s'écouter et se comprendre et partager ça. D'amitié? Mais tu me parles d'amitié? Donc sex friends en fait. Ah oui, c'est très à la mode. J'adore. Cas numéro 2. Elle est surprise, intriguée, curieuse. Alors moi, c'est un concept nouveau, hein, ce que tu me dis. C'est inédit. Puisque moi, dans mes relations, c'est souvent exclusif. Où l'homme est souvent très possessif, jaloux. Donc, où j'ai même pas le droit de regarder à droite à gauche. Parce que c'est peut-être la solution, parce que moi, combien de fois j'ai été attirée par d'autres hommes, tu vois? Et j'avais pas le droit. Cas numéro 3. Elle est super amoureuse de moi. Et elle se soumet. Je veux juste que tu prennes du plaisir et je veux surtout pas que t'en choisisses une autre plus ouverte en fait. Imagine si demain tu rencontres quelqu'un d'autre plus ouverte que moi. Tu vois? Sache qu'en tout cas moi je suis ouverte et voilà. Bah écoute, et je veux super. Pas te perdre quoi, c'est ça le truc. Tu vois par exemple, hier j'étais avec Léa. C'était une relation que j'ai depuis quelques mois. Ouais, c'est ok. C'est ok pour, c'est okay pour toi? C'était bien? Ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Ouais, ok. Et toi, tu pourras vivre aussi d'autres relations si tu rencontres quelqu'un? Moi, je pense que je vais rester fidèle à toi, tu vois. Faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce que tu vas me dire? Dis-moi. En fait, je partage des moments d'intimité avec d'autres femmes aussi. Alors écoute, c'est incroyable que tu m'en parles parce que ben moi aussi en fait je suis libre et je me prive pas. Donc je suis super contente que tu m'en parles et j'avais tellement peur de te le dire aussi. Donc je suis tellement soulagée que tu puisses être comme moi en fait. Donc comment ça se passe pour toi du coup, dis-moi? Bah déjà de pouvoir t'en parler aussi ça me soulage parce que c'est vrai que moi j'aime pas être dans une relation où il y a de la possessivité. Et oui. Et j'aime bien mettre en lien et pouvoir aussi, de manière assez simple, vivre une certaine liberté. Mm-hmm. En fait, si on est clairs tous les deux, moi, ça me paraît assez simple. Ça veut dire que on peut partager avec celui ou celle que l'on souhaite d'autres moments de complicité. Toi, tu es pas jalouse? Ah non, du tout. Du tout, du tout. Je conçois tout à fait le concept. Moi non plus, mais après, ce qui me paraît important, c'est de pouvoir partager en transparence et avec honnêteté ce qu'on peut vivre en dehors de notre relation. Moi, ça me permet de mieux te connaître et du coup de mieux t'aimer. Ouais, c'est important de partager les détails. Enfin, moi, ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. J'avais un peu peur aussi de t'en parler parce que des fois, moi, ma dernière relation, justement, quand j'ai annoncé les détails de ce que je faisais, bah, ça lui a pas plu. Donc là, c'est encore mieux. C'était dans l'ouverture de qu'on puisse se dire les choses. C'est encore mieux, c'est génial. Écoute, que tu me dises si tu as d'autres relations et comment ça se passe. Les détails, je sais pas encore. Ah ouais? Mais ah on oui. peut essayer. Tu aimais une résistance? Non, c'est pas une résistance, c'est que ça serait nouveau pour moi. Et ouais. Peut-être si je te le demande à ce moment-là, toi tu me réponds, mais... D'accord, je prendrai soin. Ben moi ça fait 3 semaines que je côtoie Ruben, voilà. D'accord. Donc du coup il a un petit garçon, donc on se voit un week-end sur deux, tu vois. Mais ça se passe bien. Et pour lui,
Il est au courant aussi que tu puis... Il est au courant. Pour le moment, je lui raconte un peu les détails de ce qui se passe avec les autres. Ça se passe plutôt bien. Tu sais, des fois, les hommes sont pas forcément ouverts ou on est jugé, tu vois. Enfin, moi, du moins, j'ai du mal à assumer un peu des fois. Tu imagines qu'on va dire de toi que t'es une femme volage, c'est ça? Qu'est-ce que tu Complètement. risques au pire qu'on dise ça de toi et alors et après? Je suis pas en clair avec moi-même pour le Ouais, il moment. y a une part de toi qui a peur quand même d'être quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Qui a peur de pas. C'est un pied dedans, un pied à l'extérieur, tu vois. Une part qui assume, une part qui assume pas. Et regarde ce que ça fait de pas l'assumer, hein. Toi aussi d'ailleurs, Benjamin, t'as dit que t'avais un peu de mal à l'annoncer dès le départ. Voilà, que tu l'annonçais certes dans le deuxième rendez-vous, mais que voilà, c'était pas évident de l'annoncer de but en blanc. Et de nouveau, hein, tous les deux, ou toi, ou l'un ou l'autre, ouais, qu'est-ce qui se passe pour vous que vous assumiez pas d'emblée? Peur de quoi? Ben, moi, en ce qui me concerne, c'est que Marie, elle me plaît beaucoup et je prends un risque en lui disant que j'ai d'autres relations, parce que typiquement, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. La personne à qui je le dis, elle part en courant, donc là, j'ai pas envie de ça. Ça serait quoi le pire qui pourrait t'arriver dans cette de la souffrance Maxi, ça serait quoi, t'imagines? Qui me compare ou tu vois, qu'on compare les expériences, tu vois, je suis un petit peu T'as là-dedans. peur que lui te compare ou que c'est toi qui te compare? Parce Que que lui me maintenant, c'est compare, que lui te ouais, compare. à ses conquêtes, aux ébats qu'il va avoir, tu vois, il y a toujours cette nuance quand même dans si on a plusieurs expériences. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benjamin? Ben, moi, je ne suis pas dans la comparaison du Ah tout. oui. J'ai le sentiment de vivre des aventures différentes avec des personnes qui sont uniques. Je pense que le travail, c'est vraiment de voir l'image du couple léger, volage, et qu'il n'y ait pas de querelle, et que tout le monde soit OK, en fait, et d'accord. Voilà, dans cette Tu vois ça légèreté dans de un couple polyamour. léger, tu trouves que c'est léger, toi? C'est un couple léger, volage, tu te racontes cette histoire. Un peu, ouais. Ah, qu'est-ce que t'en penses, toi, Benjamin, toi qui as déjà pas mal expérimenté, tu trouves que c'est léger, volage et cuicui les oiseaux? Ben, ça peut l'être, mais à mon avis, à ce moment-là, c'est pas une relation engagée, c'est Ah. une relation éphémère, et c'est ok aussi hein, de pouvoir vivre des choses sans rentrer dans un engagement. Mais non, pour moi, effectivement, de partager une tranche de vie ensemble, ça, c'est... Moi, dont j'ai besoin, c'est de la simplicité et de l'honnêteté, mais pas forcément de la légèreté et de l'aspect volage. Parce que le fait de déclarer l'authenticité, d'oser se dire, d'oser parler de son intimité dans la relation, d'oser mettre de soi dans la relation, déjà il y a de la profondeur, même si c'est une séquence éphémère, même si ça dure qu'un soir. D'accord avec ça? Ben, je suis d'accord, et puis en plus, c'est finalement ce qu'on vient de partager, parce Bien sûr. que... J'aurais très bien pu pas te parler de ça. Il y a quelque chose de Ouais, plus, et je puis il y a sens. le côté aussi d'être entière aussi, c'est un peu ça. Enfin, moi je suis quand même assez entière, et même si, comme on dit, même si c'est pour une nuit ou pour 3 semaines, à moi, enfin, c'est pas la durée. Mais c'est ça aussi la profondeur, c'est l'entièreté de. Dans l'instant, je donne tout. Dans l'instant, je m'abandonne. Et donc, peut-être j'entends derrière, dans ce que tu évoques, quelque chose de l'ordre de la totale présence à l'instant. Je vis les choses au fur et à mesure et dans l'instant, je suis vraiment là, Exactement. avec tout ce qui émerge de moi. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Complètement, ouais, complètement. Ouais, j'ai envie de Bien rajouter parti. aussi le courage de se montrer aussi vulnérable. Et ça, Voilà. moi, je sais parce que je suis resté très longtemps dans la superficialité, sans oser, puis parce que j'avais des protections, des blocages. Parler de ce qui me touchait, mais parfois je le ressentais même pas. Et ça me paraît super de pouvoir vivre ça ensemble, partager ça. Moi aussi, ça me va très bien et en plus, ça me sécurise. Voilà. Mais ça, c'est important parce que là, vous touchez un point essentiel. La sécurité, elle est donnée ici par l'authenticité, c'est-à-dire on met sur le tapis nos émotions, nos ressentis, y compris la vulnérabilité, nos émotions douloureuses, pas que les moments de joie, contentement. Et la Vraiment. sécurité, tu parlais de sécurité, il est fort probable qu'il y ait beaucoup plus de sécurité comme ça que dans la forme exclusivité où on veut baliser. Aussi parce qu'on n'a pas d'enjeu Eh oui. qui nécessiterait de couple, qui nécessite de la durée, Des plans ou oui. comme des... Comme des plans ou enfin je veux dire des plans, des
on va dire, des projets. Des projets, ouais. Des projets, mais par exemple d'acheter une maison, de faire des enfants. Voilà, là, c'est difficile de dire, bon, bah, on achète une maison et puis dans une semaine, on verra ce qui se passe, quoi. Complètement. Et en même temps, vous allez construire au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas savoir de quoi demain être fait. Si ça se trouve, un jour, vous allez vous retrouver avec des projets maison. Vous ne pouvez pas présager du futur. On a l'impression qu'en vous entendant, voilà, les choses vont se tisser au fur et à mesure. Ça se tissera pas. Mais ce que j'entends ici d'intéressant, c'est on fait comme si c'était toujours la dernière fois. C'est le dernier moment et on ne sait pas demain. Il n'y a pas de garantie. Toi, tu cherches l'intensité. Ouais. Peut-être que tu vas trouver une forme d'intensité peut-être plus intéressante dans cette tournure d'esprit, enfin cet esprit-là, qu'une intensité, juste la passion,